Deuxième bac à douche, les amis. C'est plutôt un deuxième vidi-douche que je suis en train de faire. Alors, il est quelle heure, les amis? Il est 19h. Donc, pour avancer, vous savez très bien qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'avancer. Donc, comme d'hab, siphon en bas, le joint en haut. Et on serre avec la clé. Donc, une fois que le siphon est serré, maximum les amis. Alors, ce qu'il faut faire, il faut juste faire une vérification. Après vérification, prochaine étape. Bon, tonton, à demain. Oui. Salut. Comme je vais demain. Allez, salut, tonton, à demain. Donc, ça c'est fait. Après, les amis, comme d'hab, ce que je vous ai montré sur une autre vidéo, je mets ça. Après, je prends carré, je mets ça. Et hop, à la fin, je mets la platine. Et voilà, c'est fini. Par contre, ce que j'ai oublié, de mettre la clé à l'intérieur. Dans la finition, normalement, c'est moi qui va faire les finitions. Mais on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui passe derrière pour faire les finitions. Au moins, il ne va pas être emmerdé. Donc, comme ça, au moins, il a tout ce qu'il faut, les amis. Voilà, voilà. Bon, alors, les amis, ici, une meuble basque qui doit être posée. Ça sera quelqu'un d'autre. Le forfait qu'on m'a donné, c'était de faire la nourrice en bas, en carrelement de PVC. Donc, j'allais mettre le bac à douche, vidi-douche plutôt ici. Donc, si vous voyez qu'il y a un peu de résultat, ça va pas. C'est au niveau de la poussière. Bon, les collègues viennent s'arrêter, donc ça va maintenant. le client nous a demandé avant de mettre au-dessus de la chape légère. C'est une chape légère. Mixé avec le polystyrène. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est facile à casser s'il faut encastrer encore. Donc, bon, après, on a cassé et puis voilà, on a refait un autre système. Donc, après tout ça, la prochaine étape, ce que j'ai fait, j'allais poser au-dessus. Mais bon, comme on m'a dit de le casser, tout faire trancher dans le sol, donc j'étais obligé de faire ça. Et puis là, mon vidi-douche est à ras de sol. On appelle aussi une douche italienne, mais ce n'est pas une douche italienne. C'est une vidi-douche. Voilà, les amis. Donc, vérification de niveau, tout va bien. Parce que j'ai mis béton liquide en bas. Donc, pareil, c'est bon. Ici, il y a un peu de différence là. Pourquoi ? Petit peu de différence. Ça, de toute façon, le carreleur, quand il va faire son carrelage, il va attraper la différence. Donc, si je vais un petit peu, il faut que je l'appuie de ce côté un petit peu. Il faut que je l'appuie un petit peu par là. Voilà, les amis, c'est réglé. Donc, mélange de béton avec l'échappe légère que j'ai refait sous le vidi-douche. Ça va le permettre de tenir. Il faut attendre minimum. C'est prévu 48 heures, mais bon, on peut attendre 24 heures. Il y a des gens, ils mettent que le carrelage aussi. Mais bon, ça tient avec. Voilà, les amis.